En train de vivre et dans tout ce que tu peux vivre sur cette terre,
Alléluia. Sois sûr que Dieu voit. Amen. Alléluia. Sois sûr que Dieu voit. Ce que Dieu attend de toi et de moi, nous, que nous puissions marcher avec lui dans une vie de sanctification. Mm-hmm. Si tu es sûr que tu marches dans la sanctification, mais ne te préoccupe pas de ce que tu es en train de vivre, mm-hmm. car Dieu te justifiera toujours. Amen. 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 Nous voulons adorer le Seigneur. Amen. Nous voulons l'élever. La Bible déclare, l'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ah. Alléluia. Ah, papa a compris. Alléluia. Il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès longtemps, dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Amen. 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 Même tu vas adorer Dieu parce que ton Dieu ne chancelle pas. Même si tes ennemis sont plus forts que toi, mais ton Dieu à toi, il ne chancelle pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Hosanna. Jésus était très haut.
Créateur du ciel et de la terre, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, merci pour ce moment d'intimité avec toi. Nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour te dire merci. Seigneur, pour t'adorer, tu nous as donné une parole, pour te dire merci de tout ce que tu fais dans nos vies éternelles, pour ce souffle de vie, la chose la plus importante, pour qu'un homme vive. Seigneur, tu nous la donnes, tu nous le donnes gratuitement, Seigneur. Voilà pourquoi ma soeur, mon frère et moi, nous allons t'acclamer et te dire merci. Amen. Vous savez, la chose la plus importante, ce n'est pas les habits. Hein? Alléluia. Ce n'est pas la maison. Ce n'est pas les voitures. Ce n'est pas l'argent. C'est le souffle de vie. Alléluia. Mais on n'achète pas ça. On ne paye rien pour l'avoir, Bandeko. Qui a fait un sacrifice pour avoir le souffle de vie? Alléluia. Ah, je suis venu te dire, deux fois, il faut te mettre à genoux. Commence à adorer le Seigneur pour le souffle de vie. On ne sait même pas comment ça se passe, mais je respire. Vous savez, même un mort peut s'habiller. On peut lui mettre les habits, les choses. Moi, j'ai vu un monsieur de chez nous. Son enfant est mort, il a enterré son enfant avec de l'or. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais ça ne peut pas te ramener à la vie. Mais la chose la plus importante,
Dieu nous la donne gratuitement. Dieu est bon. Alléluia. C'est-à-dire, chante avec ton cœur. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Alléluia. Il m'a aimé. Dans ces moments-ci, ces moments d'amour, où toi tu veux nous dire quelque chose. Amen. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la louange, Seigneur. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul. En ces lieux, nous t'élevons, toi, comme un maître absolu, comme le roi des rois, comme le Seigneur des Seigneurs. Nous l'acclamons pour les cris de joie. Alléluia. Amen. Vous savez, chaque chose, comme on disait à Alléluia. Amen. Tout geste compte dans la maison de Dieu. Tu as vu, on a acclamé. Hein? Alléluia. Nous avons acclamé le Seigneur. S'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas acclamé, ce n'est pas la même chose. Amen. Moi, j'ai acclamé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au ciel, ça a été noté. Amen. Toi, tu n'as pas acclamé. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ce n'est pas la même chose. Un amen est bien. Amen. J'ai acclamé. Le temps que j'ai acclamé est passé. C'est-à-dire, ce temps-là, où le Seigneur attendait mon acclamation ne reviendra plus. Yeah. Et amène bien. Amen. Alors nous allons nous rattraper. Amen. Nous allons acclamer le roi. Yeah. Alléluia. Alléluia. Passer dans la maison de Dieu. Amen. Allez, vous savez, moi, je ne fais pas les choses. Même, alléluia. Amen. Même devant mes enfants, même devant mes maris, on me dit que je suis la personne la plus compliquée. Parce que je ne fais pas les choses en groupe. Amen. Je ne fais pas les choses à cause des gens. Moi, avec le Seigneur, moi, Madame Leco, avec le Seigneur, nous formons notre majorité. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oh, parce que, vous savez, moi, j'ai vu avec mes yeux là, j'ai vu il y a des gens qui se rebellent en groupe dans la maison de Dieu. Ouais. Alléluia. Amen. Oh non, parce que maman est telle à faire, moi aussi je fais. Alléluia. Amen. Des fois, de tes yeux, tu vois la chose qui se passe n'est pas bon. Mais comme un tel a fait, moi aussi, je fais quoi? Je Amen. Fais. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne fais pas les choses en groupe. Amen. Ce jour-là, devant le trône de Dieu, Maman Célestine, ce n'est pas le groupe qui répondra. Hein? Maman, il va t'en trouver la réponse. Acclame le Seigneur. Amen. Vous voyez, Adam et Ève, hein? Amen. Alléluia. Amen. Ève est partie prendre le fruit que Dieu a interdit. Mm-hmm. L'a donné à son mari. Il a mangé. Je lui pose la question. Qu'as-tu fait? Il dit, alléluia, Amen. C'est la femme que tu m'as. Amen. Alléluia. Même si c'est la femme qui t'a donné, est-ce que tu étais obligé de prendre? Hein? Mm-hmm. Même si l'autre fait ça, est-ce que tu es obligé? Non. Mm-hmm. Elle amène bien. Amen. L'adoration d'aujourd'hui, l'exhortation de cet après-midi, le thème, c'est le retour de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Dis un peu à la personne qui est à côté de toi, le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des gens qui ne croient même pas que Jésus-Christ est revenu. Mais je te dis, selon les Saintes Écritures, Jésus-Christ est revenu bientôt. Amen. Jésus-Christ revient certainement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que tous les signes dont la parole de Dieu nous a dit sont là. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole dans le livre de Matthieu 5, mais j'aimerais que toi aussi, si tu peux même lire, c'est bon. Matthieu, le chapitre 24, le verset 5
à 12. Amen. Matthieu chapitre 24, versets 5 à 12. Je lis au nom du Seigneur. Amen, Jésus. Amen, amen, amen. Ah, il n'y a que moi qui ai dit amen. 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 Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Amen. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. 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 Est-ce que toutes ces choses-là, on les voit pas? On voit ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que toutes ces choses-là, nous ne les voyons pas? Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Aujourd'hui, si tu n'es pas suffisamment éclairé par la parole de Dieu, il est difficile de dissocier le vrai du faux. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu vas me dire comment et pourquoi. Alléluia. Amen. Parce qu'on a dit, la séduction a augmenté, même dans la maison de Dieu. La séduction est assise dans la maison de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La séduction a pris une très, très, très grande proportion. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas affermi, suffisamment éclairé, tu tombes dans le piège. Alléluia. Amen. Toutes ces choses-là, nous les voyons tous les jours. On ne dit pas qu'ils viennent demain ou après-demain. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais on nous a dit le processus a commencé. Amen. Jésus-Christ, il vient par diverses manières. Alléluia. Amen. Il y a un monsieur qui meurt à 75 ans. Sa course est finie. Jésus-Christ est venu. Alléluia. Amen. Et si je parle à quelqu'un? Amen. Quelqu'un qui meurt à 15 ans, alléluia, sa course est finie. Donc ça veut dire qu'il faut être prêt tous les jours. Parce qu'on ne connaît pas le jour ni la date. Amen. Amen. Mais le grand problème pour nous aujourd'hui, c'est la séduction. Amen. La séduction pour nous embrouiller. La séduction pour nous aveugler, la séduction pour fermer les yeux. Il y a plein de pasteurs aujourd'hui, il y a plein de prophètes, il y a plein de messagères, il y a plein de bergères. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit de faire quoi? Excessivement attention. Amen. Aujourd'hui, la séduction se manifeste partout. Bon, moi, je vais quand même lire ce verset-là. Amen. Alléluia. Amen. Je veux prendre le verset 9. Alors on vous livrera aux hommes et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ils vont séduire comment? Si tu n'es pas éclairé, au moins tu vois seulement quelqu'un avec la Bible. Tu dis que oh, c'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as vu seulement une personne avec une Bible en main. Toi, tu dis, oh, celui-là, c'est le pasteur. Celui-là, c'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, au fond, c'est un séducteur. Alléluia. Amen. Donc, au fond, c'est un séducteur. Alléluia. Amen. On séduit beaucoup. Beaucoup sont séduits aujourd'hui. Un amen de Dieu. Amen. Pas les paroles. Hein.
il y a les discours vains pour séduire. Amen. Alléluia. Amen. Tu l'entends seulement prier, tu l'entends faire des choses, tu dis alléluia. Mais quand tu regardes, on nous dit toujours de sonder les écritures, Bandeko. C'est pas parce que la personne a la Bible à la main, il est dans la vérité, Bandeko. Et si je parle à quelqu'un, amen. Alléluia. Un amen est bien. Amen. On ne nous séduira pas des miracles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu quelqu'un, alléluia, amen, qui nous dit, moi je me suis dit, il m'a dit, le pasteur il m'a trompé. Alléluia. Le monsieur avait sa femme chez lui à la maison. Un amen est bien. Le pasteur lui dit, oh si tu te maries avec la sœur, comme il avait un problème, ton problème aura la solution. Il s'est marié vite, vite, il m'a appelé au téléphone, il a dit, maman, je suis en train de souffrir. La séduction est assise dans la maison de Dieu, Bandeko. Surtout si tu es en train de chercher les miracles, un amen est bien. Quelqu'un qui a trouvé ces miracles, je ne sais pas où, alléluia, il vient te faire les miracles, tu es séduit, tu dis, Moussa, les andambe, yo, njoka, mafia, mokobu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui séduisent à cause du grand nom. Il y a des gens qui sont en train de séduire quand tu regardes son église, foule. Alléluia. Amen. Qui vous a dit que lui-même là, qui est debout devant là, il est converti. Amen. La séduction est assise aujourd'hui dans la maison de Dieu. Jésus-Christ revient. Amen. Est-ce qu'il trouvera la vraie foi? Amen. Vous savez, dans toutes les choses, il faut sonder les écritures. Amen. Tu as ta Bible. Tu es séduit avec la Bible en main. Mais regarde, il y a les indices qui ne trompent hein? Jamais. Amen. Luc 18, le verset 8, et papa Kofi, s'il vous plaît. Amen. Cet après-midi, je suis venu te réveiller, te dire, Jésus revient. Nous sommes déjà dans le processus. Amen. Tous les signes que nous avons lus, parce que toi et moi, on croit à la Bible. À un certain moment, je me dis, est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on croit? Luc 18. La séduction est assise aujourd'hui dans la maison de Dieu. Luc 18, le verset 8, papa Kofi. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ou la séduction? Uh-huh. Est-ce que nous avons encore cette foi-là? Uh-huh. Alléluia! Uh-huh. Alléluia! Uh-huh. Moi, le Seigneur ne m'a pas donné la parole de dire te quitte. Uh-huh. Que tu auras, uh-huh, que tu verras, que tu feras si. Alléluia! Uh-huh. Mais le Seigneur m'a dit qu'il revient, sanctifie-toi. Uh-huh. Un amen est bien. Uh-huh. Alléluia! Uh-huh. Est-ce qu'il trouvera la foi? Alléluia. Amen. Est-ce que quand Dieu viendra, il te trouvera dans la foi ou dans la séduction? L'objectif, c'est quand il dit, le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Papa Kofi, aujourd'hui, on va beaucoup lire. L'objectif, c'est de trouver la foi qui est assis dans la parole de Dieu. Pas la foi ailleurs, Bandeko. Et si je parle à quelqu'un, amen, la foi dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ hein, lui-même. Bandeko, je vais dire ça à lingala, puis je vais dire en français qu'on dit mais kewapi. Tu as mis ta foi sur quoi ou sur qui? Amen. Romains 10, le verset 17. Papa Kofi, lis bien. Amen. Un amen est bien. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 17. Amen. Amen, amen, amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Tout ce que nous, tout ce qu'on cherche, tout ce qu'on fait. Alléluia. Moi, quand quelqu'un me dit quelque chose, deux fois mon mari me dit ça. Alléluia. Amen. Moi, je regarde la parole de Dieu. Par rapport à ça, la parole de Dieu dit quoi? Par rapport à ce que toi, tu me dis. Amen. Tu me dis une façon de marcher. Mais moi, je dois sonder les Écritures. La parole de Dieu me dit quoi par rapport à la marche dont tu me dis aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, au moins, qu'on bangue sa yote, que rien ne te fasse peur. Amen. Alléluia. Amen. Tu as 50 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si le mari là n'est pas venu, quelqu'un il vient t'embrouiller par la séduction, elle amène bien. Alléluia. Amen. Moi, je fais confiance à Dieu. Amen. La Bible dit, il dit une parole et la chose s'accomplit. S'il m'a fait femme, la finalité, je me marierai. Amen. La finalité, j'aurai les enfants. Amen. 50 ans ou pas, 60 ans ou pas, moi, je sais que la chose que la Bible dit, Amen, que la parole a dit, doit s'accomplir. Elle amène bien. Amen. Il m'a donné deux seins comme ça. Elle amène bien. Amen. Je n'ai pas encore accouché. Je ne veux pas transpirer. Quelqu'un ne peut pas me séduire. On va boire là-bas. Va faire ceci. La nuit, on se retrouve là-bas. Je te donne de l'huile. Tu vas faire ceci. Elle amène bien. Amen. On vient coller ton ventre à mon ventre. Alléluia. Amen. Elle amène bien. Amen. Parce qu'en moi, il y a l'onction des enfants. Alléluia. Mon corps appartient à mon mari. Amen. Je ne peux pas coller ça avec quelqu'un. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Comme il m'a donné la matrice. 60 ans. Pas, je sais. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est cette parole de Dieu? C'est la parole qui est basée, alléluia, qui est agissante sur la charité. Amen. En d'autres termes, sur l'amour. Amen. Alors, nous allons nous regarder franchement. Est-ce qu'il y a l'amour? Ou la séduction? Alléluia. Amen. Une foi, c'est-à-dire notre foi, elle doit être agissante dans l'amour. Amen. Et? Amen. Alléluia. Amen. Elle amène bien. Amen. L'amour du prochain. Soyons justes et francs. Alléluia. Amen. La chose la plus importante devant Dieu, quand il reviendra, qu'il te trouve dans la foi. Mais une bonne foi. Yeah. Amen. Elle amène bien. Amen. Une bonne foi. Mm. Une foi qui a pour socle. Une foi qui a pour fondement l'amour du prochain. Amen. Parce que Dieu, il est au ciel, hein, qu'il a vu face à face. Ce sont les gens qui l'ont vu quand il est passé. Là, là, alléluia. Amen. Il a dit, quand je manifeste cet amour-là en toi, alléluia, Amen, c'est à lui que je le fais. Amen. Tout ce que vous avez dans la marche avec les chrétiens, dans la marche chrétienne, il y a trois acteurs. Il y a Dieu, il y a moi, il y a le prochain. Il n'y a pas une quatrième personne là. Ton prochain peut être Maboleko, ton prochain peut être la sœur Jaël, peut être. C'est-à-dire ton prochain, c'est la personne que tu vois. Il n'y a que trois acteurs. Tu dis tu aimes Dieu. Oui. Dieu au ciel dit oui. Tu m'aimes, oui, mais comment tu vas me manifester cet amour? C'est pas mon prochain. Alors quand toi tu regardes le prochain, tu dis c'est la bête à battre, Bandeko. Quand tu regardes le prochain, tu dis il faut aller moi. Est-ce que tu as la foi, Bandeko? Si je parle à quelqu'un, Amen, on est en train de dérailler, on est en train de déraper, Bandeko. Il n'y a que trois acteurs, moi, Dieu et mon prochain. Amen. Quelle que soit la tête de mon prochain, na l'Israël, na l'Israël, la tête rouge, vert, jaune, c'est mon prochain, Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme un. Amen. Ah, Tomita, là, non? Quand on se regarde en face, regarde l'église, comment il est rempli de gens, Bandeko. Alléluia. Amen. Ce que Dieu recherche, alléluia, Amen, c'est cette foi qui agit dans l'amour du prochain. Amen. Regardez comment même dans la maison de Dieu, il y a les coups. Il y a, alléluia. Amen. Tu peux trouver une maladie grave seulement en partant là-bas, là où tu vas prier. C'est-à-dire tu vas voir des choses, tu vas avoir même des coups, tu es étonné, tu dis, hein, même dans ma famille, là où on a donné le nom d'Égypte, on ne m'a pas fait ça.
Mais dans la maison de Dieu, j'ai trouvé ça. Alléluia. Amen. L'intercession des uns des autres a disparu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, l'amour, connaître Dieu, ce n'est pas cracher les versets. Matthieu 10, 10, Matthieu 15, 15, alléluia. Moi, le Seigneur ne m'a pas donné ce don-là. Matthieu 16, 16, je ne sais pas comment vous faites, alléluia. Amen. C'est pas ça l'amour de Dieu, c'est pas ça connaître Dieu, alléluia. Amen. Connaître Dieu, c'est avoir l'amour de son prochain. Amen. Parce que Dieu, moi, je ne le vois pas. Dieu veut que l'amour que j'ai pour lui, que je le manifeste où? Ce n'est pas les grandes déclarations. Et c'est pas traîner les foules, Badeko. Alléluia. Amen. C'est l'amour du prochain, quel que soit le prochain. Alléluia. Amen. Vous savez, la séduction aujourd'hui amène les gens dans les prisons. Pas les prisons là, les prisons d'arrêt, mais les prisons spirituelles et puis les prisons même des religions. Un amen est bien. Amen. La séduction amène les gens dans l'aveuglement. C'est-à-dire tellement que tu es séduit par un discours. Je parlais tout à l'heure des discours vains. Tu es séduit par un discours. Alléluia. Amen. Tu ne peux plus voir ce qui est bien ou ce qui est mal. Tu es seulement aux unis djembe la kakawane. C'est-à-dire tu es attaché là. Tu es accroché là. Alléluia. Amen. Non. Nous devons sortir de la séduction. Nous devons regarder ce qui est l'amour du prochain. Nous devons regarder ce qui est vain. Quand je dis nous, je prends y compris moi-même. Ce qui est juste. On nous a dit cette foi. On dit, quand Jésus-Christ reviendra, il trouvera-t-il la foi? La foi qui est basée sur l'amour du prochain. Alléluia. Amen. La compassion n'existe plus. Quand quelqu'un a un problème, on lui trouve toujours les raisons. Oh, c'est sûr qu'il a ouvert les portes. Oh, c'est sûr que voilà. Hein? Alléluia. Amen. Où est la compassion? Après, on se dit, enfant de Dieu, il soit athée. Azakunate. Alléluia. Amen. Le pardon a disparu dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est maintenant un ring. Là où tous les coups sont permis. Où est la foi? Vous savez, l'objectif de Jésus-Christ, alléluia, qu'il te trouve dans la foi. Mais quelle foi? Une foi qui a pour fondation l'amour du prochain. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous n'avez pas cette foi qui a pour socle l'amour du prochain, vous ne vivez pas dans la crainte de Dieu. Vous ne craignez pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand on a la crainte de Dieu, on croit que Jésus-Christ revient vraiment. Attaque, même s'il y a des différends, alléluia. Amen. Je vais aller faire la paix avec l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quelqu'un qui attend la venue de Jésus a une façon de voir les choses. Motako sauté. Quelqu'un qui attend Jésus, il a un comportement, alléluia. C'est quelqu'un qui est conscient que Jésus-Christ attend, y a. Celui qui est conscient que Jésus-Christ vient, il est prêt. Un amen est bien. Amen. Vous savez, moi, quand je suis, quand j'avais tous mes enfants avec moi, alléluia. Amen. Quand je partais, par exemple, à la prière, je veux revenir à 20h. Tu vois, à 18h, les enfants, ils savent que maman, quand il vient, il veut que la chaise là soit là, que c'est le bouquet de fleurs soit ici. On s'arrange parce que maman vient. Alléluia. Amen. Celui qui attend Jésus a aussi un comportement. Amen. Jésus-Christ revient. Alléluia. Amen.
Alléluia. Jésus-Christ est en train de revenir. Mais je dois être prêt tous les jours. Il y a une façon. Vous savez, les gens, ils marchent comme ils veulent. Je me demande aujourd'hui, on ne croit même pas que Jésus-Christ vient. Est-ce qu'on croit même en Jésus? Quelqu'un qui est conscient que Jésus-Christ arrive. Alléluia. Amen. A une façon de marcher parce que personne ne connaît l'heure. Personne ne connaît la date. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, s'il tombe automatiquement, il se réveille. Le péché devient un accident. Quand tu vois quelqu'un qui est assis dans le péché, qui se plaît dans le péché, depuis des années, Azaka Kanalikamoana, il est en train de faire toujours du mal. Il n'attend pas Jésus, il ne connaît pas Jésus. Même s'il a la Bible, il vient. Il vient chercher pour Moussouk Natikali. On dit, donc là on est incertain. On ne sait pas, il vient demain, il vient après demain, il vient tout de suite et là, alléluia, parce que personne ne connaît le jour, la date. Ah non, oh, comme disait maman, on ne connaît pas ce Dieu. Parce que si tu connais ce Dieu, tu as déjà goûté son amour, tu sais, tu crois qu'il vient bientôt, tu dois changer la façon de marcher. Si tu es toujours dans le mal, en train de faire du mal, un amen est bien, tu n'attends pas Jésus, tu ne connais pas Jésus. Et si je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, on n'est pas éternel sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois comment les gens sont en train de mourir. Alléluia. C'est-à-dire, si on dit, après la mort vient quoi? Le jugement. Alléluia. Amen. Même si ta mère te fait 40 messes de requiem, le péché que tu es mort avec, tu répondras. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que nous sommes conscients de cette vérité? Amen. Tout chrétien qui n'est pas conscient du retour de Jésus ne peut pas craindre Dieu. Ne peut pas avoir la crainte de Dieu. Mais pourquoi? Moi, je vous dis, j'ai souffert sur cette terre. Et j'ai beaucoup prié. Et j'ai provoqué Satan en lui envoyant le feu et le sang de Jésus. Donc, je suis obligé de craindre Dieu parce que ces jours-là, alléluia, j'aurais même honte. Ah, il va dire, c'est toi, Mamboleko, toi qui prêchais, tu te retrouves avec... Quelle honte d'abord! Et on a perdu du temps pour, hein? Il faut, mon colouane, alléluia, que tu es au ciel, que tu sois au ciel, tu es à l'abri. Encore toi, tu as montré à toute ta famille, à tout ton quartier que tu viens à la prière. Maintenant, tu regardes le ciel, dis-moi, tu iras où? J'ai vu des gens indécis dans leur vie. Il n'est ni du côté de la vérité, ni du côté de la fausseté. Tu es au milieu. Il n'y a pas de milieu. Amen. La Bible dit, si tu es tiède entre eux, mais celui qui est conscient contrôle. Que Jésus-Christ arrive, contrôle même les actes. Contrôle même les amis. Alléluia. Contrôle même les causeries. Alléluia. Hier, j'étais là. Beaucoup de coups de téléphone, j'ai dit, je ne prends personne. Et ça, téléphone, on a tout ce qui est en arrière. Alléluia. Je ne prends personne parce que moi, je veux avoir la causerie de quelqu'un qui va me dire, maman, on fait quoi? On rentre en prière pour ce problème-là. Alors, tu vas me dire, eh, maman, tu sais, c'était comme ça, ça avait commencé ici. Moi, je ne suis pas là. Amen. Eh bien, il n'y a pas de problème. Eh oui. Alléluia! Amen. Alléluia! Yeah. Amen. Si tu regardes mon téléphone, il était rouge. Il dit, moi là, pour te battre, Jésus-Christ vient dans les coups. Tu sors là, quelque chose t'arrive, il peut te prendre là devant la porte. Alors, ceux qui me sont dans ton système, ils vont tomber. Alors, ceux qui vont tomber. Je vais dire pour maman Bouiti et maman Vicky, alléluia! Alléluia. Amen. Toi et moi, on finit là. On a fini peut-être. Maman, il va dire tout, 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 tout. Alléluia. Amen. Tu sors là. Jésus-Christ décide de te prendre. Hein? Vous imaginez, hein? Ma fille, tu as compris? Alléluia. Amen. Il faut qu'on va dans ma camp. Il faut avoir peur des problèmes. Amen. Tu iras où? Dis-moi. Est-ce qu'on est prêt? Parce qu'on a dit qu'il peut arriver après l'adoration. Mais pendant l'adoration, tu n'es pas prêt. Il arrive, dis-moi, tu iras où? Est-ce que tu n'as pas pitié? Je suis venu dire à quelqu'un, vous voyez, on parle là, pas de Mamboleko, on parle de toi, Amen. De ton éternité. Amen.
Un amen est bien. Amen. On parle de là où toi tu passeras l'éternité. Amen. Pas de quelqu'un, pas du voisin, pas de la personne que toi tu as dit là, que tu as dit, je ne peux pas lui pardonner, lui et moi c'est au cimetière, on t'a dit qu'au cimetière on se rencontre. Alléluia. Amen. Un jour, il y a le grand frère de mon mari qui a dit à mon mari, toi et moi c'est au cimetière, un amen est bien. Il tombe maintenant gravement malade. Il est au village, nous on est à Brazzaville. Alléluia. Amen. On s'est regardé avec mon mari, on s'est dit, on le prend. Alléluia. Amen. On l'a pris. Alléluia. Amen. On l'a soigné, on l'a soigné, on l'a soigné, on l'a soigné, on l'a soigné. Il est devenu bien, il est reparti au village. Après, il est venu encore parce qu'il est toujours malade. Après, il est mort. Amen. Et nous, on l'a enterré dignement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'au cimetière, on se rencontre? Et lui et moi. Et puis les enfants de Dieu. Hein? Pitié. Il peut venir à tout moment. Crains Dieu, maman. Pas à cause de quelqu'un. Même si c'est la personne qui t'a amené à Christ, crains Dieu. Même s'il t'a logé, toi crains Dieu. Même s'il te donne du pain, toi crains Dieu. Même s'il t'a accueilli ici, en France et chez lui, crains Dieu. Et l'amène bien. Tu as un comportement bizarre. Nazakunate. Si mon assiette est sur ta table, casse ça. Amen. Et si Jésus vient? Alléluia. Et si Jésus vient? Vous savez, la souffrance de l'enfer, alléluia, alléluia, est très difficile. Un amen est bien. C'est toute l'éternité, c'est-à-dire sans repos, baléco. Moi, je m'aime, hein, je vous dis. Je suis obligé de pardonner, même si tu m'injuries. Voilà pourquoi je suis derrière toi. Alléluia. Un amen est bien. Parce que moi, je ne fais pas, je me fais bête. Pas parce que tu me donnes le pain. Je me fais bête parce que il faut qu'un grédit là, le royaume des cieux. Il faut que je garde le royaume des Amen. Cieux. Amen. Et si je parle à quelqu'un, Amen. Des fois on me dit, est-ce que tu as vu? Lui il me dit, maman, tu as vu? Maman, je vais me taper. Je dis, tu vas taper pourquoi? Elle amène bien. Amen. Alléluia. Mais moi, je suis en train de protéger que mon nom soit là-bas. Est-ce que vous, Jésus-Christ a dit que parmi vous, il y a un qui est démon. Vous savez, il y a des personnes démons. Judas. Jésus-Christ a dit quoi? Il était un, hein? Mais il était à côté de Jésus. Est-ce qu'un démon peut se convertir? Donc, toi, tu vas gaspiller le royaume des cieux à cause d'une injure. Une injure, c'est ça? À cause d'une séduction. À cause de quelque chose qu'on t'a promis. Tu vends ton frère. Est-ce que tu penses au royaume des cieux? Ce péché-là va crier. L'injustice. L'injustice est assise dans la maison de Dieu. Même si on voit que c'est mauvais, on ferme les yeux. Mais si Jésus-Christ vient, comme nous on a clamé la justice, on va tous en enfer. Je me rappelle les derniers jours de maman Olangi. Je l'ai dit à maman Ado. Maman Ado m'a dit, il faut prêcher ça. Alléluia. Maman m'a dit, on a prêché les liens, on a montré la coutume, on a prêché beaucoup de choses. Maintenant, comme papa est parti, on finit d'enterrer papa. On va parler de la réalité de l'enfer. Alléluia. Mais après, maman est morte. L'enfer existe. Bangamakam. Aie pitié de toi-même, de ton âme. Quand je dis Bangamakam, maman, c'est-à-dire qu'il faut avoir peur des problèmes. Quand j'ai des problèmes avec toi, alléluia. Dieu peut toucher ton cœur. Mais quand j'ai des problèmes avec Dieu, qui va toucher le cœur de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne se livre pas bêtement au péché. Les choses qu'on a fait, oui, tous, même moi, on a péché, on a fait des choses horribles. Maintenant que nous sommes éclairés, on n'est pas des cochons pour repartir dans la boue. Nous sommes des personnes dotées de l'intelligence. Elle amène bien, on connaît le mal et le bien. On a le discernement des esprits. On a le Saint-Esprit en nous. Tu fermes la porte au Saint-Esprit, tu t'accroches au mal. Tu vas en enfer.
que je parle à quelqu'un. Amen. Il peut venir nous chercher à tout moment. Ma question, est-ce que nous croyons même au ciel? Parce que quelqu'un qui croit au ciel, alléluia, amen, il dit, quand tu vois la chose à venir, dis, maman, ton kata, on s'arrête là. Parce que moi, je cours derrière le ciel. Moi, j'ai 59 ans. Alléluia. Amen. Il y a des choses que on a fait. Là, on est éclairé avec la parole de Dieu. On ne peut plus faire. Amen. Maintenant, nous cherchons à, comment la faire? Faire le chemin pour où? Le ciel. Oui, au Kosanga. Un amen est bien. Amen. Est-ce qu'on croit à l'éternité? Est-ce que nous pensons où nous passerons cette éternité? Je suis venu te dire, il s'agit de toi. Il s'agit de, pas de quelqu'un, de toi. Qui me regarde là, et la personne qui me regarde en ligne. Il s'agit de toi. Il s'agit pas, tu dois défendre ton éternité. Tu dois défendre le lieu où tu passeras toute l'éternité, c'est-à-dire les années sans fin. Ce n'est pas les 60 ans que tu as. Alléluia. Amen. On a trouvé des séducteurs bien équipés hein, dans notre époque ici. Il y a des séducteurs bien équipés qui vont te donner la chose qui va te faire plaisir, tu vois, qui va te dire quelque chose. Vous savez, la chair, il y a des choses que la chair aime. Il y a des paroles que la chair aime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Dis alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. On te parlera des discours vains, de la prospérité, alléluia, des miracles, de l'élévation. Oh, surtout élévation à notre époque là. Élévation. Alléluia. Amen. Je suis capable même d'oublier tous les biens que les mamans de Grenoble m'ont fait pour être élevée. Vous m'avez accueilli. Je ne peux pas oublier ça. Amen. Alléluia. Amen. Vous m'avez donné quelque chose. Amen. Je ne peux pas oublier ça. Je ne savais rien. Je ne savais pas comment aller faire les papiers. Et tout. Vous m'avez aidé. Amen. À cause de la séduction. Tu oublies tout le bienfait. Et si je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Matthieu 7, le verset 13. Il s'agit de toi, s'il te plaît, maman. Amen. Papa, il s'agit de toi, de ton âme. Amen. Un jour, maman, papa, on était en train d'enseigner, il a dit, Mokolo wana, Mokolo wana. Mokolo wana ndeko, yoko zarawate. C'est-à-dire ce jour-là, tu seras où? Amen. Matthieu 7 et le verset 13. Matthieu 7, 13, au nom de Jésus-Christ. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Amen. Amen. Vous savez, de la même manière que les peines de l'enfer sont éternelles, la joie du ciel sera aussi éternel. Choisis la joie du ciel. Amen. Que la séduction ne t'aveugle pas. Amen. Aujourd'hui, l'homme a tout oublié. Jésus revient, yeah, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Vous voyez, Christ n'est plus élevé dans nos vies. Alléluia. Amen. Christ n'est plus élevé dans les maisons de Dieu. C'est maintenant l'homme qui est élevé. Alléluia. L'homme a pris la place de Dieu. La gloire a pris la place de Dieu. Elle amène bien. Amen. La repentance telle que papa et maman là, qui nous ont enseigné n'est plus pratiquée. Alléluia. Amen. Ni enseignée. Alléluia. C'est-à-dire, moi, des fois, je dis, si vous êtes en train de rire, je dis, et la maison de Dieu aujourd'hui, et le PCT, c'est pareil. Viva, viva, soutien. Et le bon, et le mal, viva, viva, soutien. C'est ce que nous on disait au PCT. Et ce qui est mauvais, et ce qui est bien. Mais et l'enfer? Papa, lis-nous Jean 14, le verset 30. Je lis Jean, chapitre 14, le verset 30, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le prince de ce monde vient. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il a quelque chose de lui en toi? Pitié. Alléluia. Vous savez, ce jour-là, le corps de Moïse, et amène bien. Amen. Alléluia. Amen. A été disputé avec le diable. Amen. Pourquoi il a disputé le corps de Moïse? Alléluia. Amen. Hier, mon fils a dit à la quarantaine, mon fils, c'est Joseph. Ça m'a touché, ça m'a travaillé toute la nuit. Il a dit, la vérité n'est pas toujours dans les apparences. Non, tu ne m'as pas compris, je Amen. Comprends. Pour que tu puisses me comprendre, la vérité n'est pas toujours dans les apparences. Parce que ce que tu vois, ce que tu entends, ce n'est pas toujours la vérité. Elle amène bien. Il a dit qu'on déforme une vérité, ce n'est plus la vérité. Vous avez l'arme du diable aujourd'hui, c'est la séduction. Et cette séduction-là se manifeste comment? Dans les demi-vérités. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tu vas dire qu'on m'a giflé. Mais tu ne dis pas pourquoi est-ce qu'on t'a giflé. Tu commences seulement dans la partie où on t'a giflé. Mais Banda qui boni va gifler. Amen. Ça a commencé comment? Pour que tu aies une gifle. Ça a commencé comment? Pour que tu aies le marteau. Non, on m'a donné beaucoup de marteaux. Oui, surtout ma boulecô. Répétez des choses. Moi, j'ai vu les gens témoigner même. Alléluia. Oh, maman m'a donné le marteau. Mais ça a commencé comment pour que toi tu aies le marteau? On saute. C'est-à-dire, la vérité n'est pas souvent de les apparences. Jésus-Christ se revient. Qu'on change une vérité. On donne seulement une demi-vérité. Alléluia. Ce n'est plus la vérité. Le diable travaille beaucoup dans le mensonge. Je bénis la vie du serviteur de Dieu qui nous a parlé de ça. Amen. Du diable. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup sont pris au piège. Beaucoup. Écoutez cette parole. Luc 22. Alléluia. Amen. Pour les gens qui ont choisi la bonne part. Luc 22, le verset 31. À 32, s'il te plaît, papa Kofi. Amen. Luc 22, je dis, le verset 31, c'est ça, mon nom? À 32, oui. À 32, je lis au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras affermi, affermi tes frères. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, Jésus lui dit, Satan t'a réclamé. Hein? Il va te cribler. Vous savez, d'autres choses que tu vis là, maman, c'est pour que ta voix tombe. Parce que la Bible dit, quand Jésus-Christ vient, ce qu'il va, ce qu'il cherche, c'est la foi. Amen. Alléluia. Mais le diable va t'attaquer. Pourquoi? Pour que tu perdes la foi. Amen. Tu vas voir, il y a des choses, des mensonges. Sur ton nom, presque impossible à supporter, impossible à vivre. On va parler des mensonges sur toi. Tu sais pourquoi? Amen. Pour que tu abandonnes la foi. Amen. Je suis venu te dire, n'abandonne rien. Amen. On parlera des choses où c'est impossible à supporter. Tu vas voir, on te dit, tu as fait ceci. Oh, tu as ta vie là-bas. Oh, on t'a fait ceci. Oh, on t'a vu avec un homme. Hein? On t'a vu ceci. On va même fournir des raisons valables. Alléluia. Tout juste pour attaquer ta foi. Quand tu vas écouter des choses comme ça, tu dis, ah, ça c'est les frères et les sœurs en Christ. Pour que... L'objectif, hein, c'est pour que tu abandonnes juste hein, la foi. Alors, si tu abandonnes la foi, tu n'es plus agréable aux yeux du Seigneur. Jésus-Christ, quand il viendra, il a posé la question, est-ce que je viens trouver la foi? Voilà pourquoi il savait que Simon était attaqué. Il a dit, Simon, moi je dois faire quoi? Je dois prier pour toi pour protéger quoi? Ta foi. Parce que sans la foi, tu n'es pas agréable aux yeux de Dieu. Ce que tu vis là, c'est pour que la foi tombe. Amen. Tu vas voir le mensonge, tu vas voir les faux témoignages, tu vas voir, on va dire des choses en ton nom. Combien de gens ont abandonné de servir Dieu avec leur cœur à cause des choses qu'on dit? Amen. C'est pour attaquer ta foi.
Si ta foi est attaquée, alléluia, l'objectif est poursuivi par le diable. On envoie les attaques, on envoie ces gens, on envoie les injures, on envoie même les, tout ce que tu vois et les mensonges qu'on dit en ton nom. Un amen est bien, c'est juste que tu dises, ah, que tu abandonnes la foi. Oh, je suis venu te dire, n'abandonne pas. Amen. Amen. Encore un peu de temps. Amen. Jésus-Christ vient bientôt. Amen. Ce que Dieu cherche en nous, que nous gardons cette foi. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras peut-être rejeté. Alléluia. Amen. Mais toi, garde la foi. Amen. Pour hériter le royaume des cieux. Amen. Demeure éclairé. Quel que soit le prix à payer. Amen. Et si je parle à quelqu'un, Amen. Vous savez, il y a certaines choses que la chair n'aime pas. Demeure. Tiens bon. Tiens bon. Alléluia. Amen. La chair est faible. La chair est... Alléluia. Amen. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. La chair est faible. Elle n'accepte pas. Amen. Ne lâche pas plus. Amen. Nous allons en conclusion. Papa Kofi va nous prendre Matthieu 24, le verset 13. Matthieu 24. Le verset 13. Verset 13. Oui. Amen. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a dit celui qui lâchera prise? Non. C'est seulement celui, c'est-à-dire, on a fait les audios, on a fait les messages, on a envoyé, vous savez, ici, tu envoies seulement le message à Grenoble, ça va se retrouver même à Goma. Alléluia. Amen. Tu as fait à 7h15, à 7h20, c'est arrivé déjà en Gwandu. Alléluia. Je suis venu te dire, sois, même si ça a partagé le monde entier, tiens bon. Amen. Tiens bon encore un peu de temps. Que Jésus-Christ se te trouve dans cette foi. Amen. Je suis venu te fortifier. Amen. À toi qu'on a déjà balancé. Tiens bon, allez, go tikate. Amen. Nako tikate. Amen. Nkolo yeswazali. Un amen est bien. Amen. Ne lâche rien. Amen. L'œuvre de la croix n'est pas vaine. Jésus-Christ est parti à la croix pour nous, Banego. Et tu rates le ciel à cause des audios, de quoi qu'on a fait le monde. Un amen est bien. Amen. Que Dieu te fortifie. Amen. Je suis venu te dire que Dieu te fortifie. Amen. Audio ou pas, message ou pas, les trucs ou pas, Amen. Sois fort, reste là, le Seigneur est avec toi. Amen. Le Seigneur est du côté de la justice. Amen. Que Dieu bénisse ça.